la mort de Cabral Nanjib, vraiment, ça choque tout le monde. Mais il y a certaines vidéos que j'ai vues sur les réseaux sociaux là, qui m'ont encore plus choqué. Je ne sais pas, vous n'allez pas quand même continuer à en profiter sur le malheur des autres pour vous faire des vues. Quand même. Vous pouvez aussi faire les vidéos comme ça, normal, expliquez-vous. Pourquoi vous vous battez pour partager le corps de Cabral Nanjib partout sur les réseaux sociaux? C'est quel moyen ça? C'est pour ça que on avait créé Facebook. Voilà une plateforme qu'on pouvait utiliser ça pour éduquer nos enfants, pour essayer de nous avons assez de problèmes en Afrique. Mais pourquoi vous êtes toujours dans des conneries? Il y a une dame là, je ne sais pas si c'est la femme de Cabral Nanjib, ou bien c'est sa copine, ou bien c'est qui exactement. Mais elle m'a choqué. Elle était parmi les premières personnes à faire une live sur la mort de Cabral Nanjib. Et je crois que ça doit être sa copine. Façon qu'elle pleurait là. Façon qu'elle pleurait sur Facebook. Mais ma chérie, tu as du kilo, hein? Tu as du kilo. Dès qu'on t'appelle, que Cabral Nanjib a fait l'accident et apparemment il est mort, il est parti. En même temps, tu allumes ton caméra pour faire une live. En versant des larmes de crocodile. Est-ce que c'est normal ça? Pas moi personnellement. Moi personnellement, si c'était mon frère, tu allais être la première personne que j'allais accuser. Tu allais être la première personne que j'allais accuser que c'est toi, que ta main est dans la mort de Cabral Nanjib. Et tu viens pleurer les larmes de crocodile sur Facebook. Donc c'est sur Facebook maintenant qu'on pleure le deuil. La mort des gens, c'est sur Facebook qu'on doit venir pleurer maintenant. Je ne peux même pas avoir la force. Comment moi, je veux perdre? Peut-être que je perds, par exemple, je ne veux même pas prononcer. Je perds quelqu'un qui m'écoute cher. Quelqu'un qui est très proche de moi. Et j'ai le courage encore d'allumer ma caméra pour lancer une live. Et faire semblant de pleurer en même temps en train de regarder si les gens me regardent. En train d'accuser les gens, oh, c'est à cause de vous qu'il est mort, ceci, cela. Bon, il n'a pas de problème. Pour ça, là, je n'ai aucun problème. Vous pouvez tous dire. Puisque ça vous fait mal. C'est la colère. Mais si vous avez autant de colère et que vous avez encore le courage de lancer un live juste pour avoir les vues, puisque vous pleurez en même temps que vous regardez si vous avez les gens qui sont connectés. Facebook, là, ça devient même quoi finalement? Facebook devient quoi finalement? C'est sur Facebook qu'on vient pleurer les deuils des gens. J'ai vu une autre vidéo là. Je crois que c'était là-bas à Edea, d'où il y a eu l'accident. Comment les gens sont là, oh, nous sommes les fans de Cabral Nanjib, oh, c'est notre star, c'est cela. Ils sont en train de se battre. Pour entrer dans ce moque-là, pour faire des vidéos, pour mettre ça sur Facebook. C'est que j'ai des inconscients. Comment tout un peuple peut être si inconscient? Surtout les Camerounais, francophones et les Ivoiriens. Vous êtes tellement inconscient que que même le créateur de Facebook même ne vous comprenne plus. Voilà un jeune qui a fait l'accident. Malheureusement, il est parti. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit le célébrer? Toi qui pleurais là, la femme qui pleurait là. C'est toi-même qui m'a plus. Les autres même sont inconscients parce que ce n'est pas leur frère, ce n'est pas ça. Mais toi, tu es un proche. Je crois que tu es très proche de Cabral Nanjib. Tu as eu la force ou pas allumer ton téléphone et lancer une live
et tu pleures, tu regardes si tu as les vues, si les gens sont chez ces communautés et toutes ces choses. I don't understand. I don't understand. It's just horrible. I don't understand. I don't know what is wrong with Africans, especially the French speaking countries. I don't know what is wrong with you people. I don't know what is in your brain. La langue française, c'est une langue maudite. C'est une langue maudite. Pourquoi vous tous vous êtes des maudits comme ça? Pourquoi vous êtes maudits comme ça? Les mêmes gens qui disent chaque jour, oh, ton truc que tu parles là, viens parler ça ici au Cameroun. C'est eux qui passent tout le temps, c'est eux qui meurent, c'est eux qui sont en train de mourir chaque jour au Cameroun. Soit dans la route, sur vos conneries que vous appelez les lacs loups là. Que même ici à niveau, vos lacs loups là, même le vélo même ne peut pas passer là-dessus. Même le vélo même ne peut pas pédaler là-dessus. Vous avez lacs loups, les gens meurent là-bas chaque jour. Quand on dénonce les choses comme ça, c'est vous encore qui venez sur la toile. Viens parler ton truc là ici. Vous encore. Les gens ne contrôlent pas, les gens ne font rien. Les gens ne font rien. Apparemment, il était déjà sous. Apparemment, il est mort même. Les blessures qu'il a eues là, c'est la bouteille de son whisky. Apparemment, il buvait. Parce qu'il est un star. Donc, il peut boire. Si on le contrôle, il dit que c'est quand même moi, Cabanan, il va arriver 500 euros. 500 francs, il va donner, il va continuer. Et lorsqu'on dénonce les choses comme ça, on vous demande de venir parler ça ici, on va voir. Et ça continue à vous tuer. Ça continue à tuer vos frères. Vraiment, je ne sais pas comment tout un peuple peut être si maudit. Voilà la guerre qui se passe. Vous êtes dans un pays d'où il y a la guerre, d'où d'un côté, il y a la guerre depuis près de 7 ans. Mais les gens font semblant comme s'il n'y a rien. Ils vont même te dire que le pays est en paix. Ceci, c'est là. Et le malheur vous frappe chaque jour, vous ne comprenez pas. Vous pensez que les églises peuvent vous sauver. Vous pensez que Dieu est aveugle, que vous pouvez tromper Dieu. N'écoute pas, papa. C'est quel genre de peuple ça? Ça fait vraiment honte. Ça fait pitié en même temps. C'est juste horrible. Hein? 33 years gone. Because of bad road and carelessness. Puisqu'il n'a pas peur. C'est lui quand même, Cabral Nanjip. Il peut boire et conduire. Sur le contrôle, il va dire que c'est moi, il va donner 500. On va lui donner le café, il va continuer sa route. Et je crois que ce n'est pas la première fois qu'il le faisait. Puisque vous tous, même la dernière fois, c'était l'autre ténor. Jusqu'à aller tuer même l'enfant de quelqu'un. La dernière fois, c'était lui. Les choses comme ça, le gouvernement est calme parce que le gouvernement est concentré pour piller le pays. Pour voler, il se cache, il vole. Ils ne sont pas là pour les Camerounais. Ils s'en foutent des Camerounais. C'est juste pour mentir et piller le pays. Et vous a rendu, vous tous, vous êtes devenus des mendiants. Il faut faire tout et n'importe quoi pour avoir le nom. Les autres sont ici en Europe, ils voient comment l'Europe fonctionne. Mais en même temps, ils se battent avec ceux qui dénoncent ces gouvernements-là. Jusque parce qu'ils veulent rentrer au Cameroun, c'est faire voir. Ils veulent rentrer au Cameroun, c'est faire voir. Ils veulent rentrer au Cameroun et coucher les petits gars. Donc il faut faire semblant de se battre contre ceux qui dénoncent ce qu'on doit dénoncer normalement. Et parmi eux, ils rentrent même au pays, la mort les trouve. On les empoisonne, ou bien eux-mêmes, ils meurent même par accident. Ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Quand ils voient les choses comme ça, vraiment... Quand je vois les choses comme ça, je remercie Dieu que je ne suis pas dans ce pays. Je remercie même Dieu. Quand je vois les conneries comme ça, les gens, 90% des Camerounais, vous irez vous tous en enfer. Parce que vous êtes mauvais. Ce n'est pas seulement le gouvernement, ce n'est pas seulement le président qui est mauvais. Vous tous, vous êtes mauvais. Voilà pourquoi ils sont là. Voilà pourquoi ils continuent à faire ce qu'ils font. C'est parce que vous-même, déjà, au fond de vous, vous êtes des mauvaises personnes. Vous êtes de mauvaises personnes. Et vous aimez tout ce qui détruit.
tout ce qui peut détruire les autres, l'avenir de vos enfants, c'est ça que vous aimez. Que des conneries. Que des conneries. Cette dame-là, arrête tes conneries que tu es venu faire là. Que tu es venu pleurer la mort de Kavan Nanjib. Ce n'est pas sur Facebook que tu devais le faire. Ce n'est pas sur Facebook que tu devais le faire. Tu as juste en profiter de sa mort pour te taper les vues. C'est tout ce que je vois. Les autres qui sont partis là à la mort, oh, nous voulons voir notre star. C'est juste pour faire les vidéos et mettre ça sur Facebook pour avoir les vues. Et sur TikTok et toutes ces choses. Si Facebook n'avait même pas, Facebook et TikTok n'avaient pas restreint certains personnes, c'est qu'on a déjà vu les choses terribles. Quelqu'un est capable même de tuer même ses enfants pour mettre ça pour Facebook, juste pour avoir les vues. Tellement que vous êtes mauvaise. Et chaque week-end, c'est encore vous êtes dans toutes les églises. Vous êtes dans toutes les églises. Mais vos actions, c'est toujours diabolique. En pensant que vous êtes en train de... Lorsque vous passez toutes vos semaines à faire que des choses diaboliques, et le dimanche, vous êtes dans les églises. En pensant que vous êtes en train de tromper Dieu ou quoi, je ne comprends pas. Ou bien vous êtes juste bête. La mort de Kavan Nanjib doit servir les leçons aux autres. La vie n'est rien. Un jour, nous tous, nous allons partir. Battez-vous pour laisser une meilleure avenir à vos enfants. C'est par ça que vous serez reconnaissance devant Dieu. C'est en partie de là. Vous battez pour laisser comme les blancs le font. Chaque jour, les blancs se battent. Se battent. Vous pensez que c'est pour eux qu'ils se battent. Même iPhone, ce qu'ils utilisent, celui qui a même inventé iPhone, il est où aujourd'hui? Il savait qu'il allait partir. Mais il s'est battu pour vraiment créer quelque chose, pour laisser avant de partir. Voilà pourquoi les blancs ne partent pas à l'église. Mais ils continuent à vivre bien. Le blanc vit tellement bien dans ce monde. Vous ne pouvez même pas imaginer. Le blanc vit tellement bien dans ce monde. Alors qu'ils ne savent, ils ne connaissent même pas. La plupart des blancs ne connaissent même pas ce qui veut dire l'église. Même Dieu, ils n'acceptent. La plupart disent même que Dieu n'existe pas. Mais vois les actions. Mon collègue, lui me dit toujours, ah, je ne connais pas si Dieu n'existe pas. Non, je ne suis pas chrétien, je ne suis rien. Je suis moi-même. Mais vois ce qu'il fait. Regarde comment son cœur est propre. Regardez comment son cœur est propre. Regardez comment il est honnête, il est straight, il est ceci. Mais vous êtes dans les églises, mais chaque jour vous êtes mauvaise, vous empoisonnez. Vous vous battez pour que le pays n'avance pas. Vous êtes toujours dans des conneries. Partagez cette vidéo et arrêtez ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas gentil. Nous devons changer nos mentalités. Et les vidéos comme ça, les gens doivent le partager. Pour que les gens prennent un peu conscience. C'est très important. Mais vous n'allez pas le partager. Puisque ça éduque les gens. Et comme vous êtes diabolique, vous n'aimez pas ceux qui parlent, les vidéos, les paroles qui peuvent éduquer les autres. Donc vous ne partagez pas. Parce que vous êtes déjà diabolique. Vos cœurs sont noirs. Et c'est encore vous êtes dans les églises en train de faire semblant chaque jour. Vous utilisez Facebook juste pour faire les vues. Et même pour faire les vues, là, vous ne faites que des conneries. Regardez votre ma fort. Fleur de Lys. Près de 15 ans. Près de 15 ans aujourd'hui sur Facebook. Qu'est-ce qu'elle a apporté à la jeunesse camerounaise? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déjà fait quoi? Elle a déjà réalisé quoi? Que des conneries qu'elle fait sur Facebook. Et on l'a nommée la ma fort. De nom, elle est très grande. Elle est grande dans quoi? Personne ne connaît. Personne ne connaît. Elle a commencé ça, elle a commencé son Facebook avec Nathalie Kwa. Nathalie Kwa a pris conscience. Elle avance au camp. On la voit même pas sur Facebook. C'est une femme d'affaires. Elle est respectueuse. Mais votre mafo là, elle a déjà réalisé quoi? Si ce n'est pas pour avoir le visa pour aller en Amérique.
au Canada, acheter les vieux trucs pour aller m'aider les Camerounais, les vieux trucs, casser les vieux trucs pour aller m'aider les Camerounais au Cameroun qu'elle vend. Elle a encore quoi sur Facebook? Les gens entrent dans Facebook, ils deviennent stars. Les anglophones entrent dans Facebook, ils deviennent stars. Dans quelques années, ils ont déjà réalisé des choses terribles. Parce qu'ils utilisent cette opportunité-là pour s'écrier, pour faire quelque chose, pour réaliser quelque chose. Vous devenez star jusque pour m'aider les gens sur Facebook, matin, midi, soir. Pour m'aider. Mauvaise éducation, détruire les enfants. D'autres prennent même son enfant pour aller jeter au Cameroun, dans la boue, dans la poussière, un pays qui n'a aucun avenir. Elle porte son enfant en France pour aller jeter ça là-bas au Cameroun, pour venir faire les vidéos, pour venir se faire voir sur Facebook. Vraiment, si l'Afrique était qu'un continent d'où tout le monde s'exprimait qu'en anglais, c'est que l'Afrique n'est pas telle comme il est. C'est clair. Si l'Afrique est comme ça, c'est à cause des francophones. Et quand je parle de francophones, je parle de ceux qui s'expriment en français. Apparemment, le français que je parle, c'est un français, c'est une langue maudite. C'est une langue qui détruit. Ça rend les gens fous. Les gens sont toujours dans mature vue. Toujours vouloir se faire voir par tous les moyens. Sans réfléchir à l'avenir. Voilà votre superstar, votre milliardaire des milliardaires, l'homme loi, ou bien c'est l'homme loi de l'homme loi, ou bien c'est l'homme loi de l'homme loi. Regardez d'où il se trouve aujourd'hui. Avec tout l'argent qu'il a volé, qu'il pouvait s'organiser, aider les autres, et être vraiment quelque chose de, qu'on devait même, être vraiment un exemple à suivre. Regardez d'où il se trouve aujourd'hui. Il a passé tout son temps à naquer les gens partout. Vraiment. Vraiment, nous devons changer. Nous devons changer. We have to change. Even the creator of Facebook is tired of you people. Even the creator of Facebook is tired of people. Because you people are making him money. But he's getting tired. He's asking himself that, I don't understand these people. I don't understand all the problems that they have. They're not able to solve their problems. They're not able to speak about their problems, to organize themselves. All what they do is create disorder, hatred, talking things that doesn't make any sense. Jesus. Partagez la vidéo, suivez ma page, s'il vous plaît, c'est le bois. Merci.